Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Je vous apprenais ce chant-là. C'est simple. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ce dimanche matin, le dernier dimanche du mois de janvier. Dieu nous a fait grâce, nous sommes là et nous voulons bénir son nom. Est-ce que nous pouvons lire ensemble un texte dans le psaume 21? Nous voulons reconnaître tous les bienfaits que nous avons de la part de Dieu, comme le psalmiste est en train de le faire dans le psaume 21. Il est écrit ceci: au chef de chantre, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car là, tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu les montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu fais disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils sont impuissants, car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Alléluia. Ce matin, c'est vrai que nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Toi qui ne nous as pas laissés durant tout le mois de janvier, jour après jour. Alors que tu permets, Seigneur, que l'on vienne dans ta maison ce dimanche matin, nous voulons reconnaître ton secours. Nous voulons reconnaître, Éternel Dieu des armées, ta grandeur. Toi, ô mon Dieu, qui nous a protégés puissamment chaque jour. Toi, Éternel, qui a été notre secours à chaque instant pendant ce mois de janvier. Ô mon Dieu, ce que nous avons désiré, tu nous l'as donné. Lorsque nous avons prié, Seigneur, tu nous as entendus. Et nous sommes heureux d'être là pour te célébrer, toi, le Dieu grand. Toi qui as, Éternel, confondu nos ennemis pendant ces temps. Et tu ne leur as pas permis, Seigneur, de nous atteindre. Par contre, tu leur fais tourner le dos. Nous te sommes reconnaissants et disons, Seigneur, qu'aujourd'hui et ce matin, nous voulons chanter à ton honneur. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons glorifier ton nom parce que toi, tu es notre secours. Toi, tu es celui, Éternel Dieu Tout-Puissant, sur qui nous pouvons compter et en qui nous nous confions. Et par ta bonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas permis que l'on chancelle. Par ta grâce éternelle, tu nous as remplis de bénédictions.
Laisse que ce matin soit un matin éternel où, en retour de tout ce que tu as fait, nous te rendons gloire, honneur, louange et adoration pour des siècles des siècles. Alléluia. Alléluia. Le dernier verset du psaume que nous avons lu a dit « Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. » Est-ce que nous aussi ce matin, nous pouvons nous lever avec notre force pour acclamer le Seigneur? Parce que nous voulons chanter et célébrer sa puissance. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Son nom c'est Jésus. Nous voulons le célébrer ce matin. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, par lequel nous avons été sauvés. Et... Il est Seigneur, il a vaincu. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Il est Seigneur. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Y a-t-il quelqu'un qui est venu adorer le Seigneur? Acclame et pousse des cris de joie. Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le tombeau, il était Seigneur. Célébrons-le. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de nous. Nous venons pour l'adorer. Encore une fois, il est Seigneur. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Seul le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus sauve. Le nom de Dieu à tous les hommes. Seul le nom. Seul le nom de Jésus sauve. Il est venu pour nous sauver. Il n'y a de salut en aucun nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a de salut en aucun. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Seul le nom de Jésus sauve. Le nom de Dieu par tous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous invoquons Jésus ce matin. Seul ton nom sauve. Il a le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Célébrons Jésus ce matin. Célébrons notre roi ce matin. Car seul son nom sauve. Il est venu pour nous sauver. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné à tous les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Seul le nom de Jésus sauve. Le nom de Dieu à tous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve. Il est venu pour nous sauver. Seul le nom de Jésus.
cherche, il sort. Le don de Dieu à tous les hommes, seul le nom, seul le nom de Jésus. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Est-ce que nous pouvons le célébrer? Il a accepté de quitter le ciel. Il a accepté de revêtir la chair. Il a accepté de souffrir pour nous sauver. Il est mort à la croix pour nous. Est-ce que nous pouvons adorer Jésus ce matin? Seul le nom de Jésus sauve. Seul le nom de Jésus sauve. Seul le nom de Jésus sauve. Il n'y a aucun autre nom. Rien n'est égal à son nom. Rien n'est égal à nous. Rien n'est égal au nom de Jésus. Rien n'est égal au nom du Seigneur. Rien n'est égal au nom de Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de louange, il est digne de puissance et d'honneur. Rien n'est égal, rien n'est égal au nom de Jésus. Rien n'est égal au nom du Seigneur. Rien n'est égal au nom du Seigneur. Il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne de puissance et de rien n'est égal, rien n'est égal au nom de Jésus, rien n'est égal, rien n'est égal. Au nom du Seigneur, rien n'est égal, rien n'est égal. Au nom de Jésus, il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne de puissance et de l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration peut revenir à Jésus.
Est-ce qu'il peut être célébré ce matin comme le roi qu'il est, assis à la droite du Père? Il intercède pour nous. Jésus, le nom élevé au-dessus de tout nom. À lui soit la louange, à lui soit l'adoration et l'honneur. Gloire à Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons passer par un point de prière. Nous voulons prier au nom de Jésus. Nous voulons prier au nom de Jésus et je vais nous demander chacun de prendre sa Bible. Dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 5. Excusez-moi, Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 14. Je vais prendre ma Bible. La technologie m'a trahi. Acte 5, 14. Il est écrit ceci. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Alléluia. Et la prière que nous voulons faire au nom de Jésus, c'est dire, Père, au nom de Jésus, que cette église et que tous nos centres de disciples en mission connaissent une croissance surnaturelle. N'est-ce pas? Une croissance surnaturelle, extraordinaire et quotidienne. Parce que ici, la Bible dit, chaque... extraordinaire et quotidienne tout le long de cette année. Il nous reste 11 mois et nous voulons que Dieu nous donne cette croissance. Est-ce que nous pouvons, au nom de Jésus, élever nos voix et prier le Seigneur? Élevons nos voix et prions le Seigneur. Nous voulons une croissance dans cette église et dans chaque centre des disciples en mission. Que chaque jour, de manière extraordinaire, de manière exceptionnelle, de manière surnaturelle, pas par les efforts d'un homme, non, pas par les efforts humains, non, mais par la grâce de Dieu, de manière surnaturelle, nous te demandons, Seigneur, cette année, nous voulons, oh mon Dieu, alors qu'il nous reste 11 mois cette année, nous voulons une croissance surnaturelle. Des hommes et des femmes qui viennent et qui donnent leur vie à toi. Nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, afin que tu étendes ta main, ô mon Dieu, que tu fasses croître notre Église. Nous voulons connaître, éternel Dieu Tout-Puissant, une croissance surnaturelle, une croissance extraordinaire. Une croissance de tous les jours, ô mon Dieu, dans notre Église, éternel Dieu Tout-Puissant, en ces lieux, dans tous les coins, éternel et recoin de notre contrée. Nous voulons, Seigneur, des hommes sauvés, des femmes sauvées, ceux qui viennent et qui se joignent à nous, ceux qui viennent, éternel, et qui sont transformés. De la même manière, dans chaque centre des disciples en mission, nous te prions ce matin. Nous voulons, ô mon Dieu, que tu fasses croître tous les centres éternels, que ce soit ici, éternel, dans la ville, ou alors dans le plateau, Seigneur, que ce soit dans d'autres provinces. Seigneur, nous te prions ce matin, au nom de Jésus, ton nom est puissant, ton nom est grand, ton nom change. Jésus, nous te prions, ô Père, nous te prions, au nom de Jésus, Père, étends ta main et agis puissamment. Et c'est avec action de grâce, Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre moment de prière. Pour ceux qui sont assis, je vous demande humblement que nous puissions
élever nos voix vers Dieu ce matin. Pour notre deuxième point de prière, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage que nous maîtrisons certainement. C'est Matthieu 28, des 19e au 20e verset. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Et je nous prie, nous tous, si nous pouvons tous ensemble, à l'unisson, lire ces versets à haute voix. Lisons ensemble. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Bien-aimés, c'est un ordre que notre Seigneur nous a donné. Et ce matin, nous allons prier comme suit. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus-Christ, que le centre évangélique parole de vérité, que chaque centre de disciples en mission demeure des lieux permanents de formation des disciples. Bien-aimés, les nouvelles que nous sommes en train d'avoir en rapport avec nos centres qui sont disséminés sur quelques territoires de notre pays, les nouvelles sont bien prometteuses. Voilà pourquoi nous allons prier Dieu que ces centres-là qui sont en train d'être implantés demeurent des lieux permanents de formation des disciples, partant de cette église qui est comme le vivier des missionnaires. Prions le Seigneur, élevons nos voix et prions Dieu, que Dieu fasse de nous des formateurs, que Dieu fasse de nous des faiseurs de disciples. C'est en cela que cette église demeurera un vrai centre permanent de formation des disciples. C'est comme cela que nos centres qui sont presque partout, nous sommes dans le Congo central, nous sommes dans le Kwango, nous sommes dans le Maïndombe, nous sommes à Kinshasa. Bien-aimés, ces centres deviendront réellement des centres permanents de formation des disciples. Oui, Seigneur, nous te prions ce matin. Ô Père, accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce de devenir des disciples, formateurs des disciples, pour que nos centres demeurent des lieux permanents de formation des disciples, Seigneur. Oh oui, Père, nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, Père, que cette église, le centre évangélique parole de vérité, devienne un lieu permanent de formation des disciples. Oh, qu'il y ait des gens qui viennent, qui s'assiedent, qui se solidifient, qui s'enracinent et qu'ils deviennent des formateurs des disciples. Il en est de même pour nos centres, Seigneur. Oui, Père, nous te le demandons ce matin. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde la grâce à ton Église. Accorde la grâce à tes centres, Seigneur. Ô Père, que ce lieu devienne réellement un lieu où tout le monde viendra pour se former, enfin, à leur tour, afin qu'ils forment aussi les disciples. Oui, Père, nous te le demandons, Seigneur. Oh oui, nous te le demandons pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur qui écoute et qui répond à nos prières? Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une meilleure offrande d'acclamation à notre Dieu? Il est le roi des rois. Il vaut mieux que les cris que l'on pousse dans les stades quand un but est marqué. Est-ce que nous pouvons le célébrer de toute notre force? Alléluia. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons célébrer encore Jésus ce matin. Il est celui qui a accepté de quitter le ciel, de revêtir la chair, de souffrir toutes les souffrances sans péché, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? C'est ça l'évangile de Jésus-Christ, et c'est ce que nous voulons chanter ensemble et célébrer. Ça, c'est l'évangile de Christ.
Alléluia, nous acclamons le Seigneur et nous chantons ensemble. Lui qui est venu détruire les œuvres de l'ennemi et les ténèbres par la lumière. Pour détruire les œuvres. Pour détruire les œuvres de l'ennemi et les ténèbres par la lumière. Pour sauver les hommes de la loi du péché. Ça c'est les manches. Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Pour détruire les œuvres de l'ennemi et les ténèbres par la lumière. Pour sauver les hommes de la loi du péché. Ça c'est les manches. Proclamez la bonne nouvelle. Proclamez la bonne nouvelle aux pauvres. Et donner la vie au cœur brisé. Dire à ceux qui pleurent qu'un fils nous est né. Ça c'est les manches. Encore une fois, proclamez la bonne nouvelle. Proclamez la bonne nouvelle aux pauvres. Et donner la vie au cœur brisé. Dire à ceux qui pleurent qu'un fils nous est né. Ça c'est les manches. Et adieu. Soit la gloire, et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile. Et à Dieu, Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile de Christ. Alléluia. Racheter un peuple qui lui appartient. Un peuple qui est sorti de toutes les nations du monde. Lavé par le sang versé par amour. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Et celui que nous célébrons ce matin. Oh, racheter un peuple. Racheter un peuple qui lui appartient. Sorti de toutes les nations du monde. Lavé par le sang, versé par amour. Ça c'est l'évangile. Encore une fois, racheter un peuple. Racheter un peuple qui lui appartient. Sorti de toutes les nations du monde. Lavé par le sang, versé par amour. Ça c'est l'évangile. Pour ressusciter. Pour ressusciter et pour vaincre la mort. Il vient comme un voleur dans la nuit. Pour régner. Pour régner là-haut avec son église. Ça c'est l'évangile. Encore une fois, pour ressusciter. Pour ressusciter et pour vaincre la mort. Il vient comme un voleur dans la nuit. Pour régner là-haut avec son église. Ça c'est l'évangile. Et à Dieu, Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile. Et à Dieu, Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile. Et à Dieu, Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile de Christ. Alléluia, célébrons-le. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il
n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Akuna Mungu kamawe. Akuna Mungu kamawe. Akuna Mungu kamawe. Akuna Mungu kama wewe, akuna, akuna Mungu kama wewe, akuna Mungu kama wewe, akuna Mungu kama wewe, akuna Mungu kama wewe. Osibe me fwana nanange, osibe me fwana nanange, osibe me fwana Osive me fwa na 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 ge, osive, osive me fwa na 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 ge, osive me fwa na 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 ge, osive me fwa na 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 ge, osive me fwa na 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 ge. Okote akoka nina yo, okote akoka nina yo. Bokote akoka nina yo, bokote akoka nina yo, bokote, bokote akoka nina yo, bokote akoka nina yo, bokote akoka nina yo, bokote akoka nina yo. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. 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 Oh, j'ai cherché, personne, personne, je tournais en rond, personne, personne, je fuyais, fuyais. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai cherché, cherché, personne, personne, je tournais en rond, personne, personne, je fuyais, fuyais. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, j'ai cherché, cherché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fuyé, Il n'y a vraiment personne. Wana yolele, wana waba, wana yolele. Wana yolele, wana waba, wana. Oh wana. Le bwana wa ba bwana yolele bwana yolele bwana wa ba bwana yolele oh bwana yolele bwana wa ba bwana yolele 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 bwana Otambe nanga zambe abazambe yolele O bwana yolele bwana yolele Otambe yolele bwana yolele O bwana yolele bwana yolele bwana yolele bwana yolele bwana yolele bwana yolele O bwana yolele 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 bwana yolele. Alléluia. Est-ce qu'il peut être célébré ce matin? Est-ce qu'il peut être acclamé ce matin? Alléluia, il est élevé au-dessus de tout. Il a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. À son nom, tout genou fléchit.
et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous voulons invoquer le nom de Jésus ce matin. Le seul nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés. Lorsque l'on invoque ton nom, Seigneur, les miracles se produisent. Lorsque l'on invoque ton nom, Seigneur, les démons tremblent. Lorsque l'on invoque ton nom, Seigneur, il y a panique dans le camp de l'ennemi. Oh, ton nom, Jésus. Jésus, ton nom est merveilleux. Ton nom est puissant. Ton nom est magnifique. Alléluia. Nous invoquons le nom de Jésus ce matin. Ensemble, invoquons le nom du Seigneur ce matin, Jésus. Invoquons le nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus. À ton nom, Jésus, les fleurs poussent. Jésus, Jésus. Tu peux faire que les déserts fleurissent, Seigneur. Jésus, ensemble, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Sur toute la terre, Jésus, il est Seigneur. Parlons-le encore, il est Seigneur dans nos vies. Alléluia. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Nous voulons déclarer qu'il règne en moi, il règne en moi. Oh, il règne en moi, il règne en moi. Chantons-le encore une dernière fois. Il règne en moi, il règne en moi. Il règne en moi. Il règne en moi. Il règne en moi. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus.
il règne en moi, il règne, il règne en moi, il règne, il règne en moi, il règne en moi. Alléluia, alléluia, il règne, et voilà, il règne, il est Seigneur, il est Sauveur, il règne, il règne. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, car tu règnes, car tu règnes, car tu règnes. Oh. Alléluia. À celui qui peut nous préserver de toute chute. Alléluia. À celui qui peut nous préserver de toute chute. Sois force, honneur et gloire. Nos mains sont levées devant son trône. Et nos mains sont levées devant son trône. Glorieux, l'auteur de toute grâce. Encore une fois, à celui qui peut nous préserver de toute chute. À celui qui peut nous préserver. De toucher, sois force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Oh Jésus, règne. Kobwana, Yesu, yuko bwana, foke ya sifa, shangwe milele, oh Yesu, Yeah.
Seigneur notre Dieu. Acclamons-le. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Accepte Seigneur que nous arrêtions pendant un instant t'adorer par nos paroles et nos lèvres, mais laisse que la proclamation de ta parole, l'écoute, la mise en pratique soit aussi une adoration. Sincèrement Seigneur, ce matin j'aurais voulu que nous continuions juste à t'adorer, te louer, te magnifier, mais Seigneur, que ta parole qui viendra vers nous soit aussi la manière dont nous allons proclamer cela, la manière dont nous allons écouter, la manière dont nous allons mettre en pratique, que ça puisse te rendre gloire. C'est ce que vraiment tu mérites. Oui, Seigneur. Et merci pour le privilège d'être là. Merci pour le privilège et merci pour tes instruments que tu as utilisés, tes serviteurs, tes servantes, Éternel, que tu as utilisés pour nous conduire dans ta présence. Merci, Éternel des amis, que l'huile ne manque pas de l'oindre, que l'huile ne cesse pas de l'oindre. Et merci de nous faire énormément du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais que nous puissions reprendre nos places et continuer avec cet enseignement sur les signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses secrets. Nous l'avons commencé et j'espère par la grâce de Dieu boucler du moins avec vous aujourd'hui cet enseignement sur Jacob, j'espère. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que les amis du troisième culte auront mariage. Je ne sais pas comment ils auront la suite de cet enseignement. On va leur demander de prendre les audios. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons commencé cette série en lisant Genèse chapitre 32, le verset 10. Genèse 32, le verset 10, où nous voyons Jacob lui-même dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces » et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton, et voici, maintenant je forme deux camps. » Donc, lui-même, Jacob, était témoin des multiples grâces que Dieu lui avait accordées, et il pouvait voir, montrer publiquement les choses qui témoignait de la faveur de Dieu sur lui. Et c'est ce que nous avons vu ensemble et c'est ce que nous avons commencé à chercher et à obtenir devant Dieu, que nous-mêmes, nous serons les premiers témoins de la faveur de Dieu sur notre vie. Et que les signes... Arrangez-moi les sons, s'il vous plaît. Et que les signes de la faveur de Dieu ne soient pas seulement vus par les autres, mais que ça commence par nous-mêmes. Et si tu donnes les meilleurs amen, c'est toi qui vas commencer les premiers à compter les signes de la faveur de Dieu pour ta propre vie. Amen. Et dans Genèse chapitre 30 au verset 27, nous voyons c'est Laban. C'est Laban qui est en train de parler de lui et il dit: Poussais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc, non seulement lui-même, mais les autres, amis ou ennemis, ils ont constaté que Dieu était avec Jacob. À partir de cette année, il n'y aura pas de doute. Tous ceux qui t'observeront ne douteront pas que Dieu est avec toi. Amen. 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 Tous ceux qui sont avec toi, hein, qu'ils soient amis ou ennemis, le temps est arrivé pour qu'ils constatent et qu'ils disent que Dieu est avec toi. Mais ça ne s'arrêtera pas dans Dieu est avec toi. Il faut que ça aille au point où ils commencent à dire, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Puissais-je trouver grâce à tes yeux?
L'état est arrivé où on ne te parle pas avec mépris. On ne te diminue pas parce qu'on voit que Dieu est avec toi et que tu es l'occasion de bénédiction pour les gens. Alléluia. Alléluia. Que ce soit ton histoire à partir de cette année. Alors nous avons vu que Dieu était avec Jacob. Dieu était avec Jacob et que Dieu a distingué Jacob des autres. Ça, ce sont les signes de la faveur. Et nous avons vu que ses ennemis étaient confus. Et parmi ses ennemis qui étaient confus, nous avons cité Ésaü, son frère, et nous avons aussi cité Laban, qui sont tombés dans une grande confusion. Alors, nous avons commencé aussi à examiner quels étaient les secrets de Jacob pour qu'il vive cette faveur de Dieu et que cette faveur soit même manifeste dans toute sa vie. Alors, nous avons vu que le premier secret était que Jacob était obéissant aux parents. L'obéissance aux parents, c'est le premier secret que nous voyons avec Jacob. Malgré qu'il y avait des prophéties qui existaient sur lui, malgré qu'il y avait des bénédictions qui étaient sur lui, que Dieu l'avait choisi avant même qu'il ne sorte du ventre de sa mère, mais s'il n'était pas obéissant aux parents, il allait passer à côté de sa destinée. Et que Dieu nous donne d'être obéissants à nos parents. Nous avons vu ça. Amen. Le deuxième secret que nous avons vu de Jacob, c'était la recherche et la valorisation de la bénédiction des parents. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était en train de chercher la richesse des parents, mais c'est quelqu'un qui était en train de chercher la bénédiction des parents. Et il a accordé de la valeur à ça. La valeur à ça. Il a dit, il n'a pas cherché la richesse d'Isaac, son père. Son père qui était très, très, très riche. Son père était très riche, mais il n'a pas cherché, même pas l'aiguille de son héritage. Il a dit, bénis-moi seulement. Il a tout fait pour recevoir la bénédiction. Et quand il a eu la bénédiction, c'est fini. J'ai pris que la personne qui doit prononcer la bénédiction, qui va changer votre destinée, que vous puissiez vraiment l'obtenir au nom de Jésus. Amen. Si vous suivez cet enseignement que j'ai donné il y a quelques années en arrière, j'ai donné cet enseignement sur le mystère de la bénédiction, où j'ai montré que la vie est tracée par les paroles qui sont dites sur nous. Et il y a des choses, ne croyez jamais que quelque chose de bien va vous arriver sans que quelqu'un ait prononcé cela quelque part. Cette semaine, je suis arrivé quelque part. J'étais allé visiter une femme, la femme d'un pasteur. Je suis allé visiter la femme d'un pasteur parce qu'il avait perdu son mari. Et nous sommes arrivés au portail. La sentinelle qui ne nous connaissait pas a bloqué la barrière. Le temps qu'il puisse avoir les protocoles de là-bas. Et puis, on est sorti du véhicule où nous étions. Nous étions comme ça, seulement je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous étions là avec moi, j'étais accompagné de trois autres pasteurs. Nous étions là et je vois un garçon qui était en train de vendre. Bon, il vendait je ne sais pas quoi, il faisait quoi, n'importe quoi. Il était assis et il se lève sur sa chaise. Il amène directement la chaise vers moi. Il me dit, oh s'il vous plaît, asseyez-vous ici. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a mis, oh, je me suis assis. Je voulais refuser, puis l'Esprit de Dieu m'a dit, non, accepte. Je me suis assis, et le temps que mes gens qui m'accompagnaient appellent, et on a instruit à la sentinelle d'ouvrir la barrière, nous sommes entrés, et nous sommes sortis. Quand nous sommes sortis, j'ai vu les garçons. Et je lui ai dit, tu ne me connais pas. Je lui ai dit, tu ne me connais pas. Mais tu m'as vu, tu m'as donné une chaise. Dans ta vie, tu verras des gens qui ne te connaissent pas. Ils vont commencer à t'aider. Je lui ai dit, tu te retrouveras quelque part un jour dans ta vie. Quelqu'un qui ne te connaît pas va t'aider. Ah oui. Il n'avait peut-être pas compris ou apprécié parce qu'il me disait seulement merci. Je savais que lui, il était seulement en train de dire merci, mais il ne comprenait pas la portée de ça. Et je lui ai dit, tu verras ça. Je ne lui ai pas dit, je suis serviteur de Dieu.
Je lui ai dit seulement, je suis en train de te bénir. Je suis en train de te bénir. Tu verras ça un jour. Vous savez, les amis, attention aux paroles qui sont dites sur vous. Et cherchez que les bonnes paroles sortent de quelqu'un. Et surtout quelqu'un qui a une autorité spirituelle sur vous. Cherchez que, d'arracher cela. Cherchez ça. Et ne cherchez pas seulement que ça sorte, valorisez ça. Valorisez ça. Valorisez. Donc, quand je dis valoriser, accorde la valeur à ça. Fais tout ce que tu peux faire pour obtenir ça. Fais tout ce que tu peux faire. Fais tout. Quand je reconnais que quelqu'un a la grâce, déjà regardez, pour votre bien à vous ici, votre bien à vous tous ici, les membres de cette église, il n'y a aucun pasteur, peu importe qui il est, les pasteurs qui viennent me voir ici, qui me visitent, ils ne sortent jamais comme ça. Je dis, oh, tu es venu dans notre église. La Bible dit, il faut donner un verre d'eau aux serviteurs de Dieu. Et je leur donne toujours. Il y a même des pasteurs qui savent. Ils disent toujours, il y a même qui m'appellent. Ils disent, tu es au bureau? Je dis, oui, je suis au bureau. Non, mais je vais venir parce que quand on vient chez toi, on ne sort pas main vide. Je dis, ah ouais. Et vous savez ce qu'ils disent? Oh, que Dieu bénisse la source. La source, c'est qui? C'est vous. Donc, il y a des choses, vous ne savez pas, qui peuvent vous arriver comme ça. Et je vous ai toujours dit, l'autre jour, ma femme m'a donné la nourriture, j'ai mangé, j'étais tellement rassasié, c'était tellement bien. Après, j'ai dit, oh, vraiment que Dieu te bénisse. Elle-même, elle m'a dit, je comprends pourquoi même Dieu il nous bénit quand il a mangé. Je vous dis, les amis, il faut provoquer que des paroles qui sont peut-être enfouies dans quelqu'un sortent. Quand moi j'enseigne sur la prière modèle, je dis, il y a des personnes, il faut les bénir en leur donnant du pain. Hein? Vous voyez, par exemple, quand nous nous réveillons le matin et que chacun dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire quoi? Que Dieu te donne ce que tu vas manger, la nourriture, ce qu'il te faut pour chaque jour, n'est-ce pas? Alors, les personnes, par exemple, qui soutiennent un homme de Dieu comme moi, quand moi je dis, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, ça veut dire quoi? Dieu, bénis tous ceux qui me soutiennent. Hein? C'est pour ça, quand tu es partenaire d'un homme de Dieu, tu es dans ses prières mystérieusement. Je sais que tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, valorisez la bénédiction. Cherchez à faire quelque chose qui amène vos parents à vous bénir. Cherchez à faire quelque chose qui amène vos parents à vous bénir. Et je vous ai déjà dit, les parents, c'est d'abord celui qui t'a mis au monde. Ton père, ta mère. C'est ton père, ta mère. Et pourquoi on dit beau-père, belle-mère? Que ce soit ta belle-mère, que ce soit ton beau-père, c'est aussi ton parent. Et n'oubliez pas, entrer dans l'alliance des mariages, c'est entrer dans l'alliance des malédictions et des bénédictions. Ah ouais? Si vous vous mariez avec quelqu'un, vous entrez dans l'alliance des bénédictions et des malédictions. Imaginez que vous épousez un homme sur qui les bénédictions reposent. C'est fini. Vous allez vivre les bénédictions. La même chose si vous épousez une femme sur qui les bénédictions reposent. Vous allez être béni. Mais aussi, si vous épousez une femme sur qui une malédiction repose, vous entrez dans l'alliance des malédictions. La même chose sur un homme qui a la malédiction. Ah oui? Et surtout que vous ne savez même pas que la puissance de la bénédiction peut briser la malédiction. Il y a des choses, beaucoup de gens ne savent pas ça. Pourquoi nous bénissons les mariages? Nous bénissons les mariages, pourquoi? Parce que le jour où vous voulez commencer votre vie, déjà Adam et Ève, qui étaient sans péché, sans malédiction, Dieu les a bénis.
Et vous qui êtes nés dans la malédiction, vous et moi, nous sommes nés dans la malédiction. Chacun amène son bagage de malédiction. Et vous voulez entrer dans les mariages sans bénédiction, qui peut neutraliser ces malédictions? Choc. Yeah. Choc. Recevez ne serait-ce qu'une bénédiction qui va venir bloquer les malédictions qui fonctionnaient en vous. Alors, je voulais dire, que ce soit ton beau-père ou ta belle-mère, je ne sais pas qui, considère-les comme ton père. Mais il y a aussi des personnes qui t'ont élevé dans la vie. Si vous regardez par exemple Esther, qui était son père? Mardoché. Mais Mardoché, qui était-il pour Esther? C'était son père? C'était son oncle? Est-ce que c'était son oncle? Non, c'était son cousin. Mais Esther a obéi à Mardoché comme s'il obéissait à son père. Et on parle de Mardoché comme son parent. Donc la personne qui vous élève, c'est lui. Il y a des gens qui sont ici. Jusque même à 30 ans, on continue à vous élever. Considérez votre grand-père. C'est terrible. Ah ouais. Considérez votre grand-frère comme votre père. Votre grande-sœur comme votre père. Et tant que vous êtes encore sous le toit de quelqu'un, ne vous considérez pas comme responsable. Considérez-vous comme enfant. Ah ouais. Et vous voulez dire, oh non, on veut me gérer ici. On doit te gérer. Hein? Quand tu es dans la maison de quelqu'un, on appelle ça oikos. Tu es dans l'oikos. Hein? Je ne vais plus continuer. Tu es dans oikos. Tu es dans la maison de quelqu'un. Comment tu ne veux pas qu'on te gère? Si tu ne veux pas qu'on te gère, gère-toi. Et la bonne manière de te gérer, c'est soit chez toi. Mais toute personne... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous passons à côté des bénédictions des parents, des personnes qui nous ont élevés, des personnes qui ont pris soin de nous, et puis nous ne faisons rien pour eux. Non, ce n'est pas possible. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être un cousin, ça peut être un grand frère. Ah oui. Et ce qui est extraordinaire dans le Seigneur Jésus-Christ, nous nous appelons frères et sœurs en Christ. Mais Jésus n'a pas promis seulement de nous donner des frères et des sœurs. Jésus a promis aussi de nous donner des pères et des mères. Ouais. On a aussi des parents spirituels. Et qui doivent prononcer des bénédictions sur nous. Et j'ai toujours dit, vous allez voir que beaucoup parmi nous viennent des familles où ni les pères, ni la mère. Moi, je bénis Dieu parce que ce soit ma mère, que ce soit ma belle-mère. Ah. Des bénédictions, elle prononce ça en cascade à tout moment. Mais vous pouvez venir d'une famille où ni votre père, ni votre mère, ni votre grand frère, ni votre grande sœur, ni vos oncles. D'ailleurs, vous, dans la famille d'où vous venez, on ne parle que du mal de vous. Où est-ce que vous pouvez avoir la bénédiction? C'est à l'église. Et c'est pour ça que Dieu a donné l'église. Qui a déjà prononcé de belles paroles sur vous? Commencez à regarder. Malgré tout ce que vous faites, il y a même des gens dans votre famille, vous vous faites, faites, continuez à le faire. Vous faites, quand vous faites, il dit, c'est tout ce que tu me donnes. Donc il ne valorise même pas ce que tu lui fais. Tu peux lui faire beaucoup de bien. C'est pour cela, dans la loi des semailles et de la moisson, dans le livre de la loi des semailles et de la moisson, j'ai parlé des différentes terres. Si tu as besoin de donner à quelqu'un pour recevoir une grande bénédiction, j'ai donné un des secrets ici. J'ai dit, cherche quelqu'un, quand tu vas donner, il va dire merci à Dieu. Quand la personne donne une action de grâce à Dieu, quelqu'un qui est reconnaissant à cause de ton don, ça c'est une bonne terre. Il faut pas aller semer chez quelqu'un qui méprise ton don. Comment ça va pousser? Ah ouais? J'ai écrit ça dans ce livre. Qui ont ce livre ici? Regarde ton voisin, dis-lui, je sais que tu ne veux pas devenir riche. C'est pour ça que tu n'as pas ça. Ah oui?
Tu n'as pas ça. Oh, levez encore les mains. Qui ont ce livre? Ah ouais, je savais que beaucoup n'ont pas ça. Et c'est 10 000 francs, 5 dollars. Mais tu n'as pas ça. J'ai écrit là. Et tout ça, mais je ne veux pas vous dire arrêtez de donner à vos parents. Non, 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 parce qu'ils ne vous bénissent pas. Faites-les. Faites-les. Vous savez, il y a des semences qui sont fortes, qui poussent même au milieu des pierres. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens, vous me dites, je vais faire ça, qu'ils ne disent pas. Moi, je fais ça au nom de Jésus. Et si vous faites ça au nom de Jésus, venez dire, je fais ça pour ma mère, il ne dit rien. Je fais ça pour mon père, il ne dit rien. Moi, je vais dire. À cause de ce que vous aurez fait pour eux. Hein? Il y a des parents même, nous savons, nous tous ici en Afrique, il y a des parents, tu lui donnes, il prend ça, il amène chez les féticheurs. Mais le jour où toi, en obéissance à la parole de Dieu, tu vas donner à quelqu'un, il prend ça pour aller t'envoûter. C'est le jour où il saura qui est ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, je décrète ça. Le jour où toi, tu feras quelque chose pour ta famille et qu'un membre de la famille prend ça pour te nuire, je décrète ça en tant que sacrificateur du Très-Haut. C'est le jour où il saura qui est ton Dieu. Tu l'auras fait en obéissance à la parole de Dieu. Il ne te nuira pas, il se nuira lui-même. Je refuse que tu sois victime alors que tu cherches à faire le bien. Et je décrète ça, toi qui reçois ça, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui essaiera d'utiliser, toi tu lui donnes, il essaye d'utiliser ça pour te nuire. Je te le dis, tu viendras me donner témoignage. Yes. Yeah. Il y a des gens comme ça, un oncle, une tante, un père, une mère, toi tu penses du bien, tu veux aller lui donner. Et puis lui il prend ça, il commence à dire n'importe quoi. Il verra s'il avancera encore. C'est lui qui voudra utiliser ce que tu lui donnes pour te bloquer. Il se bloque et tu progresses davantage. À partir d'aujourd'hui, je m'associe à tes prières. La Bible a dit, ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Hein? Maintenant là, je m'associe à tes prières. Toutes les fois, et même, je change ma prière. Je change ça. Je voudrais changer ça, au nom de Jésus. Hein? Pardon, je vais changer ça. Je change, ma bénédiction, je change ça. Je ne veux pas parler à partir d'aujourd'hui. Je veux même aller dans le passé. Tout ce que tu as déjà fait dans le passé, et que quelqu'un a osé utiliser ça pour te bloquer et te nuire. Nous nous mettons d'accord aujourd'hui et décrétons au nom de Jésus-Christ que cette personne est dans la confusion à partir d'aujourd'hui. Tu ne peux pas souffrir pour un bien que tu fais. Tu ne peux pas. Je refuse ça et nous refusons ça. Et je décrète à partir de ce matin, si quelque chose n'allait pas bien dans ta vie, à cause de quelque chose que toi tu avais fait, et pourtant tu l'avais fait pour aider quelqu'un, aujourd'hui, j'agite ma main devant le Seigneur, j'agite ma main devant Dieu, et je dis que ce joug soit brisé au nom de Jésus-Christ, et que la personne qui l'a fait, s'il est encore vivant, oh, s'il est déjà mort, oh, je ne sais pas quoi. Mais s'il est encore vivant, que cette personne le voie et soit dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah oui, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Pour le passé et pour l'avenir. Ça sera comme ça pour le passé et pour l'avenir. La Bible dit, continuez à faire du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ainsi que vous mettrez des charbons ardents sur leur tête. J'embrase les charbons ardents. J'embrase les charbons ardents. J'embrase les charbons ardents. Ah oui. Ah oui. Toute
mauvaise parole qui est sortie, parce que vous avez fait du bien à quelqu'un, cette mauvaise parole, je l'annule au nom puissant de Jésus. Donne un bon amen. Je dis bien, toute mauvaise parole qui est sortie parce que vous avez fait du bien à un membre de famille, au nom de Jésus, j'annule ça au nom de Jésus. Et s'il y avait un ça ne va pas dans ta vie à cause de ce qu'ils ont déjà fait, à partir d'aujourd'hui ça change. Tu le verras, ça change. Constate et vois, tu verras que ça change. Non, je vais ajouter. Je sens mon esprit en train d'ajouter des choses. Je vais dire quelque chose. J'ai regardé quelqu'un ici et le Saint-Esprit m'a dit, fais cette prière. Vous savez, beaucoup de fois nous souffrons. Beaucoup de fois nous souffrons, non pas à cause seulement de ce que nous avons fait, mais aussi à cause de ce que les parents ont fait. Pas de mal. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de bien. Vous savez qu'il y a des gens ici, et Dieu m'a mis ça à cœur, et je vais déclarer ça, et crois ça. La foi est la monnaie par laquelle tu saisis la bénédiction de Dieu. Hein? C'est la même par laquelle tu saisis la bénédiction de Dieu. Regardez, il y a beaucoup de gens, son père ou sa mère a fait quelque chose dans la famille, et les gens jaloux et mauvais ont dit, on verra ses enfants. Et toi maintenant, tu souffres à cause des biens que les parents faisaient. Ça, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être victime de la bonté de ton père ou de ta mère. Tu ne peux pas. Et aujourd'hui, je secoue ma main devant Dieu. Et je dis, tout ce qui a été dit sur toi, tout ce qui a été fait contre toi, en fait, à cause de ce que les parents faisaient, de bien pourtant, je secoue ma main devant Dieu et je dis que c'est brisé au nom de Jésus-Christ. C'est brisé au nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen. Donne un bon amen. À partir d'aujourd'hui, la jalousie des gens contre tes parents ne fonctionneront plus sur toi au nom de Jésus. Tu as raté l'occasion de donner un bon amen. La jalousie des gens contre ta famille ne fonctionnera plus contre toi au nom de Jésus-Christ. J'ai une autre bénédiction à donner par le Saint-Esprit. Qui veut que je lui donne ça? Même la jalousie des gens contre toi ne fonctionnera pas contre tes enfants. Un jour, je vais vous donner l'enseignement pourquoi quelqu'un peut devenir sorcier. Vous voulez que je vous donne les raisons? Vous voulez que je vous donne des raisons pour lesquelles quelqu'un peut devenir sorcier? Parmi les choses qui font que quelqu'un devienne sorcier, il y a un, l'ignorance. Il ne connaît pas que la sorcellerie n'est pas bien. Hein? Il devient sorcier comme ça. Vous voulez une autre raison? Une autre raison, c'est la jalousie. Hein? La jalousie, donc quelqu'un est jaloux des autres, il cherche maintenant à nuire aux autres. Ça, c'est parmi les choses qui font que quelqu'un devienne sorcier. Que j'ajoute? Une autre chose qui peut faire en sorte que vous deveniez sorcier, c'est la pauvreté. Oui. Ouais, la pauvreté peut faire en sorte que vous deveniez sorcier. Parce que vous souffrez tellement que vous commencez à chercher n'importe quelle solution. Hein? Que j'ajoute une autre raison? Non, apparemment, ce n'est pas le message de Julie. Je vous donnerai un autre. Oui, une autre raison qui fait que les gens cherchent à devenir sorcier, c'est le désir de dominer les autres. Hein? Ils cherchent à dominer les autres. Donc, il dit, ah, il faut que j'aie un pouvoir pour contrôler les autres. Hein? Une autre raison. Une autre raison. Hein? Une autre raison. Je ne veux pas donner. Ah, vous voulez que je donne un autre enseignement pendant que je donne un autre enseignement? Hein? Alors, regarde, c'est pour ça que j'ai dit, pourquoi je l'ai dit? Parce que dans nos familles s'élèvent des sorciers. Hein?
Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Je voulais vous enseigner sur un peu de sorcellerie. Qui veut que je l'enseigne un peu sur la sorcellerie? Alors, asseyez-vous. La sorcellerie, ce n'est pas le pouvoir de voler sur une tige de balai. Quand quelqu'un vole sur une tige de balai, ça c'est une sorcellerie très inférieure. Non, ça c'est pas la grande sorcellerie. Pourquoi vous êtes en train d'écrire même? N'écrivez rien, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. La sorcellerie est simplement le pouvoir de composer avec les démons. Hein? De travailler avec les démons. Donc, consciemment, tu travailles avec des démons. Donc, c'est ça la sorcellerie. C'est le pouvoir de travailler avec les démons. Ça veut dire quoi? Donc, tu as la capacité soit de parler avec les démons, soit d'écouter les démons, soit de dire les choses et les démons exécutent, ou de faire des choses comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un peut, il ne rêve jamais. Vous croyez que quelqu'un est sorcier quand il rêve qu'il mange la nuit? Ça, c'est rien. Quelqu'un peut rêver qu'il mange la nuit parce qu'il avait faim la journée. C'est pas vrai? Donc, arrêtez avec les histoires. Non, quand tu rêves que tu manges la nuit, tu as mangé, tu sais que tu es sorcier. Ça, c'est trop simple. C'est trop simple. La sorcellerie, c'est quelqu'un qui travaille avec les puissances des ténèbres. Regardez, quand quelqu'un dit, il dit ceci, toi, dans ta vie, Obongate, c'est une personne normale, il n'a pas Dieu. Qu'est-ce qui va faire en sorte que toi, dans ta vie, que tu ne puisses pas réussir avec sa parole? Il croit, si ce n'est pas directement, il croit implicitement qu'il y aura des puissances mystérieuses qui vont te bloquer dans la vie. Voilà les sorciers. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un, parce que nous, quand nous prononçons des prières, nous croyons que Dieu va accomplir ça. Maintenant, quand quelqu'un prononce une parole et qu'il croit que c'est ça la sorcellerie. Un sorcier, c'est celui qui te dit, sors aujourd'hui, tu verras. Maintenant, si je sors, je verrai quoi? Toi, tu vas rester ici. Moi, je vais sortir. Qu'est-ce que je vais voir? En fait, tu restes ici, mais tu sais qu'il y a des esprits qui sont partout. C'est ça les sorciers. Qui veut que j'organise un séminaire sur la sorcellerie? Ah non, non, vous êtes trop nombreux. Je croyais qu'il y aurait peu de gens. Si vous étiez peu, j'allais organiser. Mais comme vous êtes nombreux, ça va. Hey, je voulais vous montrer. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la sorcellerie. Et le fait de ne pas connaître comment fonctionne la sorcellerie, c'est comme ça que vous pouvez être victime de ça. Oui. Oui. Et dans la Bible, c'est clair que la sorcellerie fonctionne même dans l'église. Ah oui! Et la Bible montre même qu'il y a possibilité pour un chrétien de devenir sorcier. Oui? Oui. Oui. Ah oui? Ah oui. Mais pourquoi j'ai ouvert toute cette parenthèse? Vous êtes devenu trop sérieux, c'est comme si vous avez envie que je vous enseigne sur ça. Je ne veux pas enseigner sur ça aujourd'hui. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? C'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de personnes à qui vous avez voulu donner des choses. En fait, ce sont des sorciers. Tu as dit, je vais donner les dons à mon oncle, je vais donner ça à ma tante, je vais donner ceci à mon grand frère. Et pourtant, vous étiez en train d'aller donner vers le sorcier de votre vie. C'est lui qui prononce des choses contre vous. Qu'il fasse, on verra. Quand quelqu'un dit ça, c'est qui? Hein? On verra, on verra. Si j'ai dit ça, c'était pour vous dire. Oh, vous êtes devenu trop sérieux, je laisse ça. Jacob est ses secrets pour vivre la faveur de Dieu. Si quelqu'un a osé dire quelque chose, hein? La Bible dit qu'en Christ, nous sommes cachés en Dieu, au-dessus de tout esprit, de toute domination, de tout pouvoir.
j'annule ça maintenant au nom de Jésus. Tout celui qui a osé vous dire quelque chose publiquement ou en secret, vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, c'est le 30 janvier 2022. Seigneur Jésus, moi je crois en toi-même. Je crois en toi et je crois aussi en moi-même. Comme étant sacrificateur du Très-Haut, nous nous élevons et nous annulons ces choses. Et si ça fonctionnait ou c'était en voie de fonctionnement, nous annulons ça au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu feras comme bien, si c'est bien accueilli, la personne est bénie. Si c'est mal accueilli, la personne est maudite. Il est écrit, on ne se moquera pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Celui qui sème la malédiction dans ta vie, il est écrit, maudit quiconque te maudira. Qu'il moissonne la malédiction. Je décrète la saison des malédictions pour tous ceux qui prononcent des malédictions contre vous. Au nom de Jésus. Ah oui. Ah oui. Tu n'as pas donné un bon amen. Reprends ta place. Donc, vous voyez, l'obéissance aux parents, la valorisation de la bénédiction des parents est quelque chose d'extraordinaire. Et le troisième secret de Jacob, avions-nous vu, c'est la sensibilité aux révélations divines. Il était très sensible aux révélations divines. Nous avons vu comment à Bethel, il a eu la révélation de Dieu lui-même. Et nous avons décrété qu'à partir de maintenant, dans nos rêves, c'est Dieu qu'on va commencer à voir. Qui a constaté que durant toute la semaine, il n'a pas vu les rêves des chats, de tout ça? Hein? C'est fini ces histoires-là. Toi, dans tes rêves, c'était toujours hou, 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 hou. Et puis, tout le monde crie. Hey! Un jour, quand j'étais étudiant, on dormait dans un dortoir où il y avait sept camarades. Nous étions en train de dormir. À un moment donné, je n'ai pas compris. Tous mes collègues étaient en train de se battre pour devenir mes voisins directs. Ils se battaient pour devenir mes voisins directs. Pourquoi? Parce que la nuit, ils voyaient des choses. Et moi, je ne voyais rien. Je dormais. Je ne voyais rien. Et ils voyaient des choses. Oh, vous allez entendre ces mots. C'était des païens. À un moment donné, ils voyaient quelqu'un. Oh non, il me donnait les descriptions. Je voyais quelqu'un. J'ai levé les yeux comme ça. La personne était grande. J'ai levé la tête. Je voyais pas sa tête. Mais si. J'ai dit, oh. Moi, je dormais à côté. Maintenant, toi, ça sera des rêves du genre, tu vois l'échelle. Tu vois les anges de Dieu monter, descendre. Et tu vois l'Éternel lui-même. Je voulais prononcer une bénédiction sur toi, mais j'ai l'impression que tu ne vas pas donner la valeur à ça. Je voulais bloquer l'accès aux démons dans tes rêves. Est-ce que je peux le faire? Je bloque l'accès aux démons dans tes rêves au nom de Jésus-Christ. Oh! Je bloque l'accès aux démons dans tes rêves. Oh non, on était en train de me poursuivre. J'étais sur le point de tomber sur une falaise. J'ai crié, chaise. Et puis je me suis réveillé. Reçois la grâce des beaux rêves. Amen. Tu n'as pas reçu ça bien. Amen. Reçois la grâce des beaux rêves. Amen. Des rêves où tu vois Dieu lui-même venir te parler. Les rêves où tu vois Dieu venir te donner les chemins de ton futur. Les rêves où tu vois Dieu venir te révéler les secrets pour la réussite dans ton travail. Reçois cette grâce au nom de Jésus.
À partir d'aujourd'hui, pendant que tu dors, comme Jacob, tu auras les secrets de ce que tu dois faire demain comme travail. Tu vas commencer à dormir et Dieu te dit, attends, demain tu rencontreras telle personne, on te posera tel problème, tu feras ça, ça, ça. À partir d'aujourd'hui, tu auras l'intuition du Saint-Esprit. Reçois l'intuition du Saint-Esprit. Vous savez, je suis en train de vous donner les secrets qui ont fait que Jacob puisse réussir, vivre la faveur de Dieu. C'est que chaque fois que Dieu le rencontrait, il voyait. Et les rencontres avec Dieu, ce sont des révélations pour des secrets. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire avec ton raisonnement humain. Tu as besoin de la révélation. Alléluia. Oh, que Dieu t'accorde la grâce d'être sensible. Sensible. Je voulais te donner une bénédiction que j'ai sentie ce matin. Que Dieu te donne la grâce de commencer à faire les interventions chirurgicales accompagnées des anges. Et tu es conscient toi-même. Tu dis, oh, mais là où je suis en train d'opérer comme ça, je sens hein, les anges. Je vois les anges. Alléluia. Partout où tu te retrouveras, quand il y a les anges, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois les anges. Tu n'as pas donné un bon amen. Fini les temps où je sens qu'il y a une présence mauvaise ici. Hein? C'est comme s'il y a une présence mauvaise ici. Hey! Non, 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 non. Pourquoi c'est seulement toi qui dois toujours sentir, je sens, hein? Et puis vous dormez comme ça, vous sentez au-dessus de toi, tu dors pas, et puis toi-même tu dis, ils sont arrivés. Oh! Mais quel est le jour où toi tu seras en train de dormir? Et tu commences à chanter. Allez. Pourquoi? Les anges sont là. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. À partir d'aujourd'hui, que Dieu t'accorde, oh, pas seulement à toi, à moi aussi. Que Dieu nous accorde la grâce d'être sensible aux révélations de Dieu. Donnez un bon amen. Les gens ne comprendront pas les succès de ta vie. Ils ne sauront pas que le jour tu as des visions, la nuit tu as des songes. Le jour tu auras des visions et la nuit tu auras des songes. Dans les derniers jours, dit l'Esprit, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Et les vieillards auront des songes. Je prie pour la grâce. À partir d'aujourd'hui, la journée tu vois des visions, la nuit tu reçois des songes. Qui viennent de Dieu? Qui viennent de... Tu n'es pas en train de donner un bon amen. Tu n'es pas en train de donner un bon amen. À partir d'aujourd'hui, les gens vont commencer à te craindre. Parce que quand tu racontes un songe, ça arrive. Hein? Vous savez, ne croyez pas que les histoires des anges, c'est les histoires de l'Ancien Testament. Paul dit, quand ils étaient en train de connaître les naufrages, il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'a apparu aujourd'hui et m'a dit que personne ne mourra. De Dieu. Est-ce que toi tu peux déjà parler comme ça? Qui a déjà parlé comme ça dans sa vie? Que aujourd'hui, un ange de Dieu à qui j'appartiens. Mais ça c'est dans le Nouveau Testament. Hein? Joseph a eu la vie sauve. Même Jésus, s'il a été sauvé de la mort, c'est à cause d'un ange qui est allé parler à Joseph. Et je vous ai dit, il faut obéir aux parents. Hein? Parce que Jésus, c'est comme ça que Jésus obéissait à Joseph. Joseph qui n'était pas son père biologique. C'est lui qui l'a sauvé la vie. Ah oui? Ah oui? Et il dit, les anges sont venus lui dire, prends l'enfant, pars en Égypte. Toi, tu n'as jamais vu un ange. Je sais que nous avons le Saint-Esprit. Hein?
Le Saint-Esprit est en nous. Jésus a dit, il sera en vous et il demeurera en vous. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas le seul moyen. De toute façon, beaucoup de fois, c'est difficile d'écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est comme une colombe. Beaucoup de gens ne savent pas que le Saint-Esprit est une colombe. Et la colombe, c'est l'animal le plus sensible. Et dès que tu frustres un peu, le Saint-Esprit, il s'éteint. Il ferme sa bouche. C'est pour ça, dès que tu le frustres, dès que tu l'attristes, déjà beaucoup de gens ne pourront jamais écouter le Saint-Esprit. Parce que même quand il parle, ils ne savent même pas que c'est lui. Alors pourquoi il va continuer à parler? C'est une colombe, c'est ça l'image de la colombe. Quand on parle du Saint-Esprit qui est descendu comme une colombe. Très sensible, tu bouges un peu, il s'en va. Ah ouais. Mais parce que Dieu nous aime, il envoie des gens, les anges. Et les anges ne sont pas sensibles comme le Saint-Esprit. Parce que les anges sont nos serviteurs. Le Saint-Esprit n'est pas notre serviteur. Les anges sont nos serviteurs. À qui nous ne donnons pas des ordres, mais à qui Dieu donne des ordres pour nous. Mais maintenant, comment toi tu as fait déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu n'as jamais eu un ange de Dieu qui est venu te dire? Et vous savez pourquoi ce n'est jamais arrivé? On ne t'a jamais enseigné sur ça. Un jour, je vous ai enseigné ici un message sur les anges qui nous observent. Si tu avais même la révélation de ça, tu allais. Est-ce que vous savez que les anges nous observent? Partout où nous sommes. Qui connaît que les anges l'observent même quand il est en train de faire caca? Oh, vous ne voulez pas que les anges vous observent quand vous faites caca? Vous ne savez pas que c'est un endroit de prédilection pour que les démons viennent vous attaquer? Qui va vous défendre? Je change. Tu vois, c'est comme ça, quand tu fais les péchés, même dans la douche, les anges voient. Et ils voient malgré eux, parce qu'ils sont là normalement pour nous protéger. Ah oui? Donc tu vois, quand tu fais les péchés là, les anges voient. Et maintenant, en ce moment-là, qui... Ah, je laisse ça. Je laisse ça. Oh, asseyez-vous maintenant, je vais continuer mon message. Apparemment maintenant vous savez que les anges sont là. Est-ce que quelqu'un voit les anges qui sont là? Je vous ai choqué hein, quand je vous ai dit que les anges vous observent même quand vous êtes à la douche. Hein? Qui aimerait que quand il entre dans sa douche, il dit: Seigneur, au nom de Jésus, que les anges ne me suivent pas là-bas. Que je reste sans... Parce que parmi la mission des anges, c'est de nous protéger. Apparemment, cette révélation vous a choqué. Vous êtes devenu calme. Et ça a changé votre manière de me regarder. Pardon, je change. C'est parce que j'ai dit quand vous faites caca, j'ai compris. Les anges vous observent quand vous allez dans les lieux secrets. C'est propre? Non, je voulais vous montrer que même pendant que vous êtes en train de faire les pou, les anges sont là. Pour qu'au cas où il y a un danger, ils interviennent. Des fois, je fais ça exprès, j'utilise des expressions crues pour que vous voyez vraiment la réalité. Ah ouais. Mais maintenant que vous êtes choqués, donc apparemment vous ne saviez pas que quand vous êtes en train de vous laver, que vous êtes nu, Dieu est là. Hein? Vous ne saviez pas ça? Vous savez. Ah, le problème, c'est moi, vous ne voulez pas que je dise ça. Ou bien, parce que vous êtes devenu trop froid. Ah, vous ne vouliez pas que je dise ça. Je vais utiliser l'expression de David. Même quand j'étais tissé dans les lieux secrets, tes yeux me voyaient. Qu'est-ce que David veut dire? Même quand mon père et ma mère étaient en train de faire quelque chose. Non. Toi, tu me voyais. C'est-à-dire que quand mon père a libéré quelque chose, ma mère a libéré quelque chose et que j'étais en train d'être conçu, tu me voyais. Maintenant, où est-ce que Dieu ne te voit pas? Tu vois pourquoi tu pèches facilement?
Parce que tu n'as pas la conscience de l'omniprésence de Dieu. Nous péchons facilement comme ça parce que nous croyons qu'il y a des endroits où Dieu n'est pas là. C'est comme ça que tu peux même faire des coopérations, des arrangements pour aller dans un hôtel. Tu te dis là-bas, hein, on ne nous verra pas. Parce que tu ne sais pas que là-bas aussi Dieu est là. Il n'y a qu'un seul endroit où Dieu n'est pas là. Vous voulez que je vous dise où c'est? Hein? Ah oui. Ah oui. Que je vous enseigne où est-ce que Dieu n'est pas là? Non, je ne vais pas vous dire. Déjà que quand je vous ai dit que quand vous êtes en train de faire pour vous, Dieu peut envoyer les anges venir vous surveiller, vous avez été choqués. Qui aimerait pendant qu'il est dans la douche, en train de se laver et chanter des louanges, que les anges l'accompagnent? Alléluia. Ah oui? Il y a un endroit où Dieu n'est pas là. C'est l'enfer. Ce qui fera que l'enfer soit enfer, parce que c'est en préparation, ce qui fera que l'enfer soit enfer, c'est parce que justement Dieu aura décidé que sa présence ne se manifestera pas là-bas. Et la présence de Dieu ne peut pas se manifester à l'enfer parce que la présence de Dieu s'accompagne avec tout lui. Quand on dit la présence de Dieu, c'est tout lui, ça veut dire quoi? Dieu est amour, Dieu est tout ça. Donc en enfer, il ne va pas être là. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir en enfer. Parce que quand vous serez là-bas, et l'enfer, c'est l'endroit des prières qui ne sont pas entendues. Jésus nous a donné une image avec Lazare et l'homme riche. Il est en train de prier, non, jamais, ce n'est pas ici. Donc, une fois en enfer, même si vous faites une prière, ça ne va pas monter. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir en enfer. Vous avez changé de visage. Si Dieu part en enfer, quelqu'un qui connaît, comme certains ici, pas ici, au nom de Jésus, personne n'ira en enfer. Quelqu'un qui... Je ne veux pas avoir les soucis que je parte au ciel comme ça. Quelqu'un qui venait à la parole de vérité, il se retrouve en enfer. C'est pour ça, sanctifions-nous. Quelqu'un qui va être là-bas, il va dire, oh, Dieu, tu es venu ici en enfer. Pardon, je sais que tu es amour. Tu es juste, mais tu es amour. Et je sais que tu peux tout. Si tu décides seulement de me sortir en enfer, tu peux me faire sortir en enfer. Alors Dieu ne va pas être là. Ça vous choque? Mais c'est ça. Je devais donner le quatrième secret. C'est l'art de faire toutes sortes de prières. Jacob connaissait l'art de faire toutes sortes de prières. Dans Genèse chapitre 28, on nous dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour mon monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc Jacob, parmi les choses qui ont fait que Dieu les bénisse et lui fasse jouir de la faveur, quand il lui donnait les révélations, Jacob faisait un vœu. Vous savez, faire la prière de vœux est quelque chose de puissant. Dans le livre de l'art de faire toutes sortes de prières, je vais en parler tout de suite là, à la fin de mon message. Dans le livre de faire l'art de faire toutes sortes de prières, je vous ai montré la prière de vœux. En quoi c'est puissant? Même Anne,
qui était stérile, rendue stérile par Dieu lui-même, a brisé la stérilité en faisant un vœu. Il y a des situations dans lesquelles nous ne voyons pas Dieu parce que nous ne savons pas faire la prière de vœux. Quand Dieu, je vous ai montré ça le dimanche passé, quand Dieu a visité Jacob pour le bénir dans son travail, il lui a dit, je suis le Dieu de Bethel où tu as fait un vœu. Donc Dieu a commencé à s'identifier au vœu de Jacob. Dieu va commencer à s'identifier à tes vœux. Si tu apprends l'art de faire la prière de vœux, c'est quelque chose de puissant. Et j'ai enseigné dans ce livre comment la prière des vœux ne nous touche pas seulement, mais ça touche Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu fais un vœu, ça veut dire quoi? Non seulement toi tu gagnes, mais Dieu gagne dans ta prière. Jacob a dit, je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dieu a dit, hein? Et il dit, ici sera bâtie la maison de Dieu. Mon ami, tu ne peux pas imaginer. Quand Dieu se retrouve dans un vœu, comment il accélère les choses. Ouais. Mais il faut que les vœux soient sincères. Regardez. Genèse chapitre 32. Non, pardon. Toujours 31, verset 54. On nous dit, Jacob, Genèse 31, 54. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne. Et il invita ses frères à manger. Et ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Là, quand on parle de sacrifice, c'est la prière d'adoration, de louange et d'action de grâce. Et chaque forme de prière attire des faveurs particulières de Dieu. Je l'ai écrit dans ce livre. Tout à l'heure, au début du culte, beaucoup n'étaient pas là. On a passé un merveilleux moment dans la louange, dans l'adoration. Et quand tu viens en retard et que tu n'adores pas Dieu, et tu ne développes même pas dans ta propre vie l'art de la louange, de l'action de grâce et de l'adoration. La Bible dit, le peuple te loue et tu répands la pluie en abondance. Si tu ne développes pas la prière, par exemple, de louange, il y a des choses qui ne monteront, qui ne descendront jamais de Dieu sur toi. Si tu ne développes pas l'art d'adorer Dieu, l'art de louer Dieu, l'art de rendre grâce à Dieu, tu ne vivras pas ça. Par exemple, c'est l'action de grâce qui a le pouvoir de multiplier tout ce que Dieu nous donne. Chaque fois que tu rends grâce à Dieu, Dieu multiplie ce sur quoi tu rends grâce. Ah oui. Et si tu ne sais pas être, vous savez vous-même, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, pourquoi vous allez lui donner plus? Pourquoi? Quelqu'un qui est venu vous voir, ou il n'est même pas venu vous voir, vous lui avez fait quelque chose. Mais au lieu de vous dire merci, il ne vous dit pas merci. Vous êtes bloqué. Vous n'allez plus poursuivre. Et parce que tu ne développes pas l'art de faire toutes sortes de prières, c'est pour ça qu'il y a des choses que tu ne vivras pas. Si Jacob a vu la faveur de Dieu et même des signes de la faveur de Dieu, c'est parce qu'il savait faire cette prière. La prière de louange, d'action de grâce et d'adoration. Quelqu'un qui a besoin de voir Dieu, je vous dis, ici je n'ai fait que, moi j'ai eu la grâce. Des pasteurs m'ont dit, pasteur, comment ça tu as pu ressortir 30 différentes sortes de prières? Et je suis en train de regretter. Parce qu'après j'ai eu la révélation sur la 31e sorte de prière. Yeah. Ah oui? Oui. Il y a eu la 31e sorte de prière. Mais développez ça. Si vous étiez sage, je vous avais dit. Je vous ai dit, les jeûnes et une prière en soi. Les jeûnes, c'est la prière du corps. Oui. Oui. Les amis, il y a beaucoup de choses. Il
faut savoir faire toutes sortes de prières. Et si vous lisez Jacob, vous voyez, il fait la prière des vœux. Il fait la prière de louange, d'adoration et d'action de grâce. Regardez maintenant dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, regardez comment Jacob prie. À partir du verset 9 jusqu'à 12. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans le lieu de ton naissance, de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur. Car j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Maintenant, regarde. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Même s'il avait beaucoup de femmes, il disait la mère et les enfants. Pour Jacob, il n'avait qu'une seule femme. C'était qui? Rachel. Toutes les autres, c'était de n'importe quoi. Si vous êtes marié à un homme qui a plusieurs femmes, sachez que pour lui, il y a une femme. Ah ouais. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Ici, non seulement il fait des requêtes, où il demande à Dieu de lui venir en aide, mais aussi, il fait la prière des revendications. Et j'ai écrit ça. Beaucoup de fois, nous n'arrivons pas à obtenir des choses que Dieu nous a promis parce que nous ne savons pas revendiquer ça. Nous ne savons pas revendiquer. Et la première personne qui nous montre même qu'il faut faire des prières, des revendications, même Jésus lui-même, il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Il y a des choses, tu n'as pas seulement besoin de dire, Dieu donne-moi. Mais il y a des choses, tu as besoin de lui dire, Dieu, tu as dit. Tu as dit ceci, tu as dit cela. Il y a des choses, ça n'arrivera pas parce que tu ne connais même pas ce que Dieu a dit pour les revendiquer. L'art de faire toutes sortes de prières. Et ça, c'est Jacob. Il savait prier différemment et il ne priait pas de la même manière. Et toi, tu pries comment? Les amis, c'est terrible que votre pasteur mette à votre disposition un livre comme ça où on met 30 différentes manières de prier et toi, tu ne développes pas ça. Et je l'ai dit le dimanche passé, je pense au deuxième culte, toute personne qui prie sérieusement sait qu'il doit apprendre à prier. Quand tu arrives au niveau où tu ne penses pas que tu dois apprendre à prier, c'est que tu ne connais pas la valeur de la prière. Tu ne connais pas la profondeur de la prière. Yeah. Il y a toujours quelque chose à apprendre sur la prière. Et je vous ai donné ce livre ici pour que vous puissiez apprendre à prier. Mais beaucoup ont ça, mais ils ne lisent même pas. Je vous ai donné les témoignages des pasteurs qui ont pris un seul chapitre de ce livre. Et ils ont fait des séminaires. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, pasteur, c'est terrible. Juste un chapitre. Mais voilà. Voilà. Terrible. Et c'est pour ça que nous ne voyons pas Dieu. J'ai montré ici la possibilité. Ici, j'ai donné la possibilité que tu sois en train de travailler et de prier. La prière méditative. Comment tu peux être en train de travailler et prier? Et beaucoup de fois, quand vous développez cette prière-là, vous allez voir que la prière méditative, ce n'est pas le silence. Le silence, c'est une autre forme de prière. Mais la prière méditative, si vous développez ça, et même si vous avez l'art de développer la prière méditative, surtout dans les domaines professionnels, vous allez avoir des secrets terribles. Quelqu'un vous parle, vous êtes comme ça là. Vous prenez quelques secondes, quelques minutes, vous faites la prière méditative directement, paf! Vous avez la réponse. Ouais. Et j'ai écrit ça ici. Et j'ai donné même l'exemple de Jésus. Comment il faisait des prières méditatives?
Quelqu'un qui connaît faire cette sorte de prière, vous allez avoir l'impression qu'il ne prie pas. Un jour, il est devenu pasteur, même s'il n'est pas toujours avec nous aujourd'hui. Un des enfants qui était ici, qui habitait même chez nous. Un jour, il vient, il me dit, pasteur, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, je cherche à imiter ta manière de prier, mais je ne sais pas comment tu pries, quand tu pries et de quelle manière tu pries. Alors, il a commencé à se poser des questions, à se demander si je priais comment. Il a commencé à m'observer et il me dit, finalement, j'ai commencé à t'observer et j'ai compris que tu pries à tout moment. Et j'ai compris que tu pries à tout. Pourquoi? Parce que, au fait, par la grâce de Dieu, j'ai développé l'art de faire beaucoup de sortes de prières. Si tu es à côté de moi, si tu m'observes bien, tu sauras. Tu sauras. Et ça fait partie des secrets qui font que j'opère avec Dieu dans beaucoup de dimensions que tu ne vas pas connaître. Tout de suite, pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai fait des prières terribles. Mais personne ne pouvait écouter ça. Ouais. Et j'ai montré par exemple que la prière méditative a l'avantage d'être faite même en face de nos adversaires, même les ennemis. Tu peux faire des prières méditatives, ils ne savent pas. Ouais. Et pourquoi nous n'évoluons pas? Mais maintenant, on vous dit, Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Cette semaine, un de nos missionnaires, je demande que vous priez pour nos missionnaires. S'il vous plaît, prions pour nos missionnaires. Quand dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, quand on dit « Faites par l'Esprit toutes sortes de prières », hein? Éphésiens chapitre 6, verset 18, ça veut dire quoi? On clôture les armes spirituelles. Parmi les armes spirituelles, il y a la prière. Mais la prière pour avoir la victoire sur les démons, et les puissances des ténèbres et dans tout le combat de la vie, ce n'est pas seulement une sorte de prière, mais toutes les sortes de prières. Et quand tu as la révélation, tu sauras. Il y a un de nos missionnaires qui a été attaqué cette nuit, cette semaine. Je lui ai dit, il m'a dit, tu déménages, tu entres dans notre concession. Et il est allé habiter maintenant dans notre concession. Mais je lui ai dit, avant d'habiter, appelle-moi. Et j'ai béni Dieu pour cette révélation. Je lui dis, tu n'occupes pas la maison si tu ne m'appelles pas. Il m'appelle. Et là, je fais avec lui la sorte de prière que nous appelons la prière de dédicace. Ça se trouve là. Je fais avec lui la prière de dédicace. Et la nuit, il est entré. J'étais debout à 3h du matin. Je vois son message. Il dit, papa, je suis menacé par les mauvais esprits. Je lui ai demandé de faire une autre sorte de prière. Et quelle est la sorte de prière que je lui ai demandé de faire? La louange. Je lui ai dit, ne chasse rien. Sois seulement en train de louer Dieu. Je lui ai écrit un texto, je lui ai dit, sois seulement, à partir de maintenant, sois seulement en train de louer Dieu. Et il a commencé à louer Dieu. Et il m'a écrit un texto le matin. Papa, je me suis très bien réveillé. Oui. 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 Je vous avais donné le témoignage de mon épouse, elle est là. Elle était allée aux études, elle était attaquée. Jusqu'à ce que là, il y ait la révélation, nous avons eu la révélation. Elle a mis la musique qui jouait dans sa chambre à tout moment. Et une musique qui jouait dans sa chambre à tout moment, dans la louange, l'adoration. On n'a plus jamais vécu de choses qu'elle était en train de vivre. L'art de faire toutes sortes de prières. Et chaque prière, chaque sorte de prière a des bénédictions à découvrir. Oui. Oui. Par exemple, vous ne serez jamais utilisé à un certain degré par Dieu si vous ne connaissez pas comment faire la prière d'intercession. Oui. Si vous ne savez pas prier pour les autres, il y a des choses que vous n'aurez pas dans votre vie.
Et si dans votre prière, vous commencez le matin jusqu'au soir, vous n'avez intercédé pour personne et vous n'êtes pas fort dans l'intercession, vous dites l'intercession c'est un travail difficile, je ne vais pas aller là-bas. Il y a des choses que vous n'aurez pas. Oui. Oui. Et tu viens au culte. Quand tu viens au culte, l'adoration, la louange, c'est déjà fini. Il y a des choses que tu as ratées. Il y a une prière puissante, puissante que je suis, j'ai écrit ici. Si tu ne sais pas confesser tes péchés. Ah oui. Et dans ces livres ici, j'ai écrit comment on peut confesser, mais je suis en train de travailler sur quelque chose d'autre. Sur quelque chose d'autre. Et je vais vous dire, il y a une, je parle par l'esprit, il y a une sorte de prière qui est ici. La prière d'humiliation. La prière d'humiliation, c'est la prière qui vient après la confession. Beaucoup de... Vous savez, imaginez, j'ai écrit quelque chose de semblable ici. Imaginez quelqu'un, il vous a fait du mal. Par exemple, il vous a insulté. Il dit, oh! Et puis, il vient, il dit, oh, pardon. Et puis, il dit pardon en souriant. Vous allez dire quoi? Il a demandé pardon. Il y a une attitude que l'on montre après avoir confessé, qui montre que tu as vraiment compris. C'est ça la prière d'humiliation. Et c'est pour ça que beaucoup de gens demandent pardon à Dieu ou beaucoup de gens cherchent la faveur de Dieu. Mais quand Dieu regarde leur attitude, il voit qu'ils ne méritent pas. Même s'ils ont demandé pardon, mais ils ne méritent pas. La prière d'humiliation. Merci Seigneur. Amen. C'est parmi les secrets pour vivre les signes de la faveur. Quand je vous ai parlé d'Isaac, je vous ai montré ce livre ici. Je vous ai dit que ça, c'est parmi les secrets d'Isaac. Maintenant, ça, c'est parmi les secrets de Jacob. Regardez ça. Et c'est parmi les secrets des grands. Par la grâce de Dieu, ma femme connaît et peut vous dire, par la grâce de Dieu, certains aussi connaissent, je l'ai remonté. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas 10 livres que j'ai écrits. Je n'ai pas 20 livres que j'ai écrits. Je n'ai pas 30 livres que j'ai écrits. Je n'ai même pas 50 livres que j'ai écrits. Je le dis devant Dieu, par la grâce de Dieu, ce n'est même pas 100 livres que j'ai écrits, c'est plus. Mais je fais sortir ce que je trouve important avec Dieu pendant un moment. Et je n'écris pas pour les autres, j'écris d'abord pour moi-même. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous avons 2-3 choses à faire. Culte de dimanche, faites nos signes. C'est votre premier dimanche d'être au centre évangélique Parole de Vérité. Est-ce que vous voulez nous faire signe? Levez-vous s'il vous plaît, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Il y a notre bien-aimé qui est là-bas. Oh yeah, il y a deux personnes qui sont là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sérieusement? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez bénis et vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Avant que je n'oublie, les amis de grâce, le dimanche prochain, nous avons notre réunion d'évaluation du mois de janvier. Dimanche prochain, à la même heure que la fois passée. Lèvons-nous avec nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, les dons pour la mission. Père, reçois ce que nous t'avons apporté et bénis chaque main qui va se poser dans ces paniers. Et change le niveau de finances de chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenons nos places. J'ai besoin que nous puissions faire une prière spéciale aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais donner la parole à ma femme pour dire un mot de remerciement à l'Assemblée et à son Dieu pour ce qu'il a fait. Et je reviendrai pour deux mots, s'il vous plaît. On va accueillir ma femme en train de venir. Merci. Merci pour vos acclamations. En réalité, le pasteur me l'avait dit ce matin. Il m'avait dit que il va me laisser dire un mot à l'Assemblée. C'est pas facile. Croyez-moi. Parler, c'est bien. Mais si je dois parler, raconter, je peux dire que même une journée ne suffira pas. J'ai vécu des choses. Que même si je vous parlais, je me demande, est-ce que vous allez me croire? Mais je sais que vous allez croire, parce que c'est la vérité. Je me souviens de ces jours, et hier, je l'ai rappelé à ma mère. Elle était avec moi. Je lui ai dit, ah maman, tu te rappelles? Permettez-moi, je l'ai appelé Eric, parce que je parlais avec ma mère. J'ai dit, maman, tu te rappelles? Quand Eric est venu m'épouser, quelle était la condition que papa lui avait donnée? Papa lui avait dit, c'est-à-dire mon père, paix à son âme, il est déjà parti. Il lui avait dit, je te donne ma fille, mais je veux qu'elle étudie. C'était ça. Ma mère me dit, oui, je me souviens. Si c'était possible, tu allais prendre le téléphone et l'appeler de là où il est pour lui dire que non seulement il l'a fait, pas une fois, mais trois fois. Je me tiens devant vous. Pour dire que je réalise. Comme il l'a dit lui-même, être à côté d'une personne bénie, on devient une source de bénédiction. Dans le calme, la tranquillité, la simplicité,
pas beaucoup de moyens. Quand je dis beaucoup de moyens, pas beaucoup de moyens, c'est-à-dire pas beaucoup de moyens financiers comme les gens peuvent l'imaginer. Par la grâce de Dieu, grâce à lui, il a tenu sa promesse qu'il avait faite à mon père. Mais grâce à lui, je sais que dans le monde entier, je le dis parce que convaincu de la part du Seigneur, dans le monde entier, si on doit parler des femmes exceptionnelles, je suis parmi. Et ça, c'est mon témoignage. Ça, c'est mon plus grand témoignage et ma plus grande reconnaissance au Seigneur. Je ne l'ai pas fait en faisant des formations quelconques, en allant dans chaque université, 3 universités différentes, commençant au début pour arriver à la fin. Et je me suis vue accompagnée et soutenue tous les jours. Je dis bien tous les jours. Je ne pourrais pas, comme je vous dis, parler de tous les soutiens que j'ai bénéficiés de mon mari. Mais je lui dis merci. Merci d'avoir tenu la promesse faite à mon père. Merci de faire de moi celle que je suis par la grâce de Dieu. Et merci à vous aussi. Il y a certaines personnes qui ont compris, qui se sont connectées à moi dès le début. Ils m'ont accompagnée. Ils étaient avec moi. Je dirais qu'ils ont étudié avec moi. Et le tout dernier, le Seigneur, comme il dit, donc, je l'ai vu, il est ici aussi parmi nous. Je l'appelle mon dernier prof. C'était avec lui qu'on débattait avant mon jury chaque fois. On parlait, mais quand il partait, je restais, je disais non, 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 je dois prier. Et les pasteurs ne cessaient de me dire, tu vas épater les jurys. Tu vas épater les jurys. Et le Seigneur m'orientait chaque fois. Avant que je n'entre dans la salle de jury, moi j'avais déjà mes questions. Toutes prêtes, préparées. Et quand j'ouvrais ma bouche pour parler, les jurys étaient émerveillés. Les médecins sont parmi nous, ils savent. Ce n'est pas des moments faciles. Mais par la grâce de Dieu, ça a été facile. En tout cas, c'est comme j'ai dit, je ne saurais pas tout vous dire. Mais vivre Dieu, je l'ai vécu. Être avec mon mari, il m'a soutenue. Et merci de tout cœur. Il y a une parole qui monte dans mon cœur. Un cantique que tout le monde connaît, sûrement. Ça monte maintenant dans mon cœur. J'aimerais seulement dire ces paroles-là. Peut-être la personne qui l'a chanté lui-même ne sait pas. Peut-être qu'il avait chanté pour moi. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui les fait reculer. Sûrement vous connaissez ça. Il ne ment jamais. Papa est là, je ne peux pas échouer. Tu fais quelque chose avec Dieu, tu ne vas pas échouer. Merci. Merci beaucoup. Félicitations, docteur Viviane. Merci. Oh, est-ce que vous ne voulez pas dire félicitations, docteur Viviane? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Très sincère félicitations à la femme battante. À la femme forte. Alléluia. Merci au Seigneur. C'est un privilège d'avoir une femme comme elle. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Et je pense que nous pouvons nous asseoir. Tu restes debout, toi. Nous voulons vraiment te dire félicitations. C'est vrai que nous pouvons te soutenir, commençant par moi-même, les enfants et tes frères et sœurs en Christ, et même ta famille biologique. Mais tu as été celui qui était sur la ligne de front.
Et tu l'as fait. Même si on pouvait te soutenir, si toi-même tu avais des armées, on n'allait pas réussir. En tout cas, félicitations. Ça fait plus de 20 ans qu'on est mariés et elle est toujours en train d'étudier. Toujours à l'école. Hein? Il ne faut pas épouser les gens, des maris comme moi. Ils vont vous envoyer toute votre vie à l'école. Alléluia. Et c'est un grand témoignage, ce que nous avons vécu avec toi. Et c'est un don qu'elle tient de Dieu. J'ai aimé le témoignage d'un frère hier. Il dit, moi, je connais déjà, elle a commencé déjà à me soigner avant même qu'elle soit comme ça. Ceux qui sont autour d'elle savent ça. Et le numéro un, c'est moi. Elle a commencé, il y a des médecins, des grands maîtres qui lui disaient, va seulement faire la médecine parce que tu es déjà médecin. Par la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'elle a reçu de Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ça. Et nous prions pour la grâce et l'onction. C'est ce soir que je vais la oindre comme un médecin exceptionnel dans la vie. Alléluia. Les soirs ici, il y aura une cérémonie où je vais la oindre. C'est pas, vous ne serez pas là, il ne faut pas être là. Ça sera dans l'intimité. Alléluia. Je vais la oindre. Je vais verser de l'huile sur elle, je déclarerai des choses. Vous voulez que je vous dise ce que je dirai? Je ne dirai pas. Amen. Alors, très sincères félicitations de la part de toute ton église. Reprends place. Merci Seigneur. Alors, les responsables des départements, comme on ne sait pas comment faire pour... dire merci à Dieu. Ma femme et moi, on ne sait pas vraiment comment on va faire pour dire merci à Dieu et partager un petit jus avec quelqu'un. Alors, les responsables des départements, vous allez voir Papa Tony. Vous voyez où vous êtes, il vous donne les jus. Vous donnez ça là-bas. Il va vous